À l'instant, il a un petit peu d'espace, il peut centrer en retrait, c'est dangereux et il l'a éliminé. Attention, ah, elle a volé en première intention. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Oh non, mais c'est pas possible à cette distance. C'est pas possible. Fernandez, João Moutinho. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Oh, en deux temps, magnifique intervention, c'était chaud. Hein. Première intervention, et finalement ce ballon qui est capté. Eh oui, il y a hors-jeu. Il faut être plus attentif à la ligne. On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, magnifique, hein, le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Ça s'agite un petit peu dans les tribunes. C'est une occasion. Le corner en direction du point de pénalty et le gardien qui remporte son duel. Cristiano Ronaldo. Fernandez. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel, hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. On attend des solutions. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, le but de Cristiano Ronaldo. Cristiano. Et on la revoit sous un autre angle, cette frappe. Elle est juste parfaite. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Oh, le bon ballon donné par Cristiano Ronaldo. Attention, ça peut faire mal. Bon, attention, c'est pas fini. Reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement.
Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Diogo Jota. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. L'action qui se poursuit. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Occasion de placer un contre. Avec Cristiano Ronaldo encore. La frappe. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. C'est pour le gardien. Ah, c'est une interception. Ah, le bon centre dans la surface. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. But pour le Portugal. Ça pouvait être le but du chaos. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Elle prend pas le couloir finalement. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Qui se poursuit malgré ce tacle. L'avantage. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Bernardo Silva. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, c'est... Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Et but. Un but de plus. Oh, ça commence à faire lourd. Le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière et il peut rien faire sur le deuxième ballon. Quatre à 0, rencontre à sens unique. Très belle récupération là. Ah, il continue Cristiano Ronaldo. Il redonne à Bruno Fernandes. Diogo Jota. Ah ouais, c'est une bonne passe ça. Ah,
Belle intervention dans les buts, magnifique. La défense adverse qui a toutes les peines du monde à contenir cette équipe aujourd'hui. Les chiffres qui vous indiquent combien le score est logique. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Hors-jeu, hors-jeu. C'est limite, hein. C'est limite. Et c'est dommage parce que cette passe était dangereuse. Cancelo, duel pour la possession. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Le ballon qui change de possession. C'est intercepté par Pepe. Bernardo Silva. Avec Bruno Fernandes. Oh, l'occasion. Oh, ça passe à côté, dommage. Hors-jeu, dommage. Il y avait de l'idée avec cette passe, hein, mais la défense ne couvrait pas. Elle s'est bien alignée. Bruno Fernandes. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas, ça joue très très bas. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Une aide qui tarde à venir. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Duel gagné, il prend le ballon. Et ce ballon est intercepté. Ballon rendu à l'adversaire. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Et le contre n'ira pas plus loin, l'adversaire récupère. Ronaldo. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. C'est un ballon perdu bêtement, ça. João Moutinho. Paligna. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Ah, il lui redonne. Il file seul vers le but. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? C'est dans le paquet. Oh, il y est!
Et le but de la tête. Voilà un remplacement qui n'était pas prévu. Et l'arbitre qui indique le chemin des vestiaires. Le score 4 buts à 1. On fait tourner. En effet. Les Portugais qui entament cette seconde période avec cet avantage à la marque. Interception. Nikolic. Ah, bien vu ça. C'est dedans. Ouais, qui était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Quatre buts à deux, nouvelle évolution du score, on se régale. Attention, ça peut devenir intéressant. Un centre à destination de ses partenaires. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Il continue balle au pied, Ronaldo. En position idéale pour centrer. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Pépé qui intervient. Cristiano Ronaldo qui voit sa passe interceptée. Cristiano Ronaldo. Oh, quel arrêt! Quel arrêt magnifique! Mais bon, dommage pour les statistiques parce que l'arbitre avait mis un terme à l'action. Le drapeau s'est élevé. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oui, ça s'est donné comme il faut. L'arbitre qui intervient. L'arbitre qui intervient pour une position de hors-jeu. Il fallait être bien placé hein, pour prendre la bonne décision en vitesse réelle parce que c'était loin d'être évident. Ruben Neves. Il faut s'endormir s'il joue comme ça. Et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal. Il a démarré un petit peu vite. Allez, après tout, pourquoi pas. Allez, pour qui ce centre? Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement.
Un graphisme qu'il confirme, c'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Attention, Leonardo Silva dans la surface. Oh oui! Oh oui, splendide! Oh, la petite frappe en finesse! Magnifiquement joué! Ah, le terrain qui a été zappé. Beaucoup de verticalité, c'est parti très vite, très efficace. Ça fait 5-2, hein. On se régale, il y a vraiment beaucoup de buts aujourd'hui. Ah, mauvaise intervention là. On va voir cette intervention défensive irrégulière. L'intervention du défenseur qui a écarté le danger. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Il faut qu'il centre là. Il faut trouver une option disponible. Le dégagement pour éloigner le danger. Ruben Neves. Énorme interception. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon, magnifique. Cherche le point de pénalty. Un corner qui ne donnera rien. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Une perte de balle là pour le Portugal. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. André Silva. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Et il récupère le ballon très haut. Ah, ils ont perdu le ballon, les Portugais. Faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. La voie est libre. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Un ballon facile. Cette tête qui n'était pas suffisamment dangereuse. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ruben Neves. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Ah, c'est bien défendu.
Nikolic. Il cherche des solutions là. Attention, ça peut faire but. Magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué à une fraction de seconde. Joao Cancelo. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Et c'est dévié, dommage pour lui, son tir semblait cadré. Et l'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Allez, il peut prendre l'espace là. En prise de volet. Et ballon capté sans difficulté. Pas de regret pour les attaquants, car de toute façon le drapeau s'est élevé pour une position de hors-jeu. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Il va y avoir un remplacement. Bernardo Silva. Allez, ils vont jouer la touche. Sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. La tête, et pas de souci, pas assez appuyé. Oh non, c'est pas possible! André Silva, Bernardo. Oh, ça va être dedans! Ça pouvait être le but du chaos. Il va être remplacé et le fait qu'il ait copé d'un carton jaune tout à l'heure joue certainement un rôle dans cette décision. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Oh la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. La faute au ralenti, on voit le joueur se jeter hein, sur ce tacle. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Et la contre-attaque qui se poursuit. Et l'occasion. Et c'est donc un triplé assez magnifique. Hein. Il se souviendra de ce match. Et on voit ce très bon centre à ras de terre qui a mené le but. Et ensuite, c'est le talent hein, qui fait le reste. Il a noté quand même son excellent placement. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Ruben Dias. Il continue là d'avancer. Excellente passe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Oh oui, but!
pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Ça, ça peut devenir dangereux. C'est parti dans la surface. Allez, dégage, très loin. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Là, ils continuent de développer leur contre-attaque. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand-chose. Alors, on va rajouter 5 minutes de plus à ce match. Fernandez. Ouais, il a dribblé, magnifique. Et le but pour le Portugal. Ah ouais, le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Et pas de détails, hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ouais, il a le temps de centrer. Ouais, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Bernardo Silva. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ben Neves. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Corner qui est joué en deux temps. Diogo Jota. En retrait pour un coéquipier. André Silva. Oh, l'arrêt incroyable! Superbe parade! Quelle présence! C'est allé à toute vitesse! Attention à ce corner. Et c'est pour le gardien. Allez, on va repartir sur un corner. Il joue en deux temps, le corner. Ouais, bien taclé, le ballon. Voilà, la fin de la rencontre qui se termine donc sur cette victoire à domicile. Une victoire nette et sans bavure. Ça a bien circulé, l'équipe inspirée, qui n'a pas cessé d'amener le danger. On a tout de suite senti qu'il était dans un bon jour. Et il a joué un grand rôle dans cette victoire. Ouais, c'est rythme. Oh.